coucou les cafardinhos, je vous embrasse tous très fort. Aujourd'hui, on va faire la vidéo pour chercher des coéquipiers. Tu cherches une équipe, tu cherches un joueur, tu cherches des machins, tu veux faire de la compète, tac tac tac, tu veux te lancer dans l'e-sport, tu veux faire des LAN, tu veux faire. Bon, bref, tu veux rentrer dans le vif du sujet, tu veux devenir un joueur un peu plus sérieux que le matchmaking tout dégoûtant là. T'es sur la bonne vidéo déjà. Donc, sachez que, bah voilà, j'ai le projet qui prend un petit peu forme. Voilà, je vous fais plaisir. Donc, vous avez tous accès à mon groupe. Donc, je vais vous mettre tout en description et tout ça. Donc, voilà, vous avez le groupe Cafardinhos avec. Il y a déjà 3500 membres dessus. Et ben, tout le monde peut aller chercher et regarder. Vous pouvez voir les annonces. Cherche mate MG1. Recrute à Waprif, recrutement est le minimum, cherche mate, voilà. Vous pouvez voir, voilà, donc vous pouvez voir déjà tout ça, donc il sert à ça le groupe, tout le monde pourra se trouver des coéquipiers entre eux. Je sais que c'est très difficile pour vous de percer, entre guillemets, d'être repéré, de trouver des gens, etc, etc, etc. Donc vous allez pouvoir, bah là, avec le groupe, quoi de mieux que chercher des joueurs dans ma propre communauté, dans notre propre communauté à nous, tous les Cafardinhos, parce que bah, vous regardez les tutos, donc ça veut dire que vous avez envie de progresser, ça veut dire que déjà vous connaissez pas mal de mes tutos, donc ça veut dire que vous avez les mêmes principes, vous avez les mêmes bases, d'accord? Vous êtes tous normalisés, on va dire ça comme ça, vous avez la même communication, vu que vous utilisez la mienne, vous avez les mêmes principes de jeu que je vous montre, l'analyse, vous avez la même réflexion, c'est-à-dire qu'on s'en tape des ranks, qu'on cherche des joueurs qui ont une bonne communication, qui veulent progresser, qui sont déterminés. Donc voilà, donc vous fiez pas forcément au rank, voilà, cherchez vos coéquipiers, postez des annonces, checkez les annonces, soyez super actifs dessus, il n'y a pas de souci, c'est fait pour vous. Donc voilà, faites-vous des tests, vous attardez pas sur des scoreboards, sur les trucs comme ça, parce que ça met la pression, vous allez vous recruter entre vous, etc. Et je sais qu'il va y avoir un peu de pression et tout ça, passez au-delà de ça, voilà, montrer de la bonne communication, de la détermination, faites-vous des CV, des lettres de motivation entre vous, entre guillemets, en mode t'inquiète, voilà, je suis là, je suis motivé, c'est ça mes disponibilités, voilà, moi mes parents ils me laissent jouer de temps, ça, soyez ouverts d'esprit, voilà, entre nous, c'est comme ça qu'il faut être. Je mets un TeamSpeak à votre disposition, donc hop, voilà le TeamSpeak. Donc quand vous allez arriver sur le TeamSpeak, vous allez être tout en haut ici, vous avez ma section tout en bas, donc voilà, manchette, crew, stream, malek, etc. Donc game 1, machin, tout ça, vous allez avoir toute cette section de disponible si je vous mets vos icônes. Mais sinon, le TeamSpeak est ouvert, vous avez tous les salons ici, donc vous pourrez chercher des équipes, etc. Je vais vous mettre des serveurs privés à disposition, mais ça c'est un petit peu plus tard. Faut que je trouve un partenaire, entre guillemets, qui va me donner 5-6 serveurs, comme ça vous les donnez, ou faire des games entre vous et tout, et tout, et tout. Vous pourrez prac dans le groupe, donc poster des annonces en mode prac team de 20h à 21h, d'accord. Et vous trouvez 10 joueurs, donc une team, enfin 5 contre 5, et vous faites des prac, d'accord. Vous faites des play-on, donc vous faites une map cash par exemple, vous préparez cash ensemble, et vous faites les 30 rounds, d'accord. Vous faites 15 rounds en CT et 15 rounds en terreau, comme ça, ça vous entraîne vraiment sur un side et vraiment sur un autre, dans un esprit d'entraînement, dans un esprit de progresser, pas dans un esprit de ouais, on a gagné 5, c'est des noobs en face. Non, il y a un side CT, il y a un side terreau, il y a des jours avec, il y a des jours sans, d'accord. Peut-être que eux ils essayent des trucs et donc forcément ils se font éclater parce qu'ils essayent des trucs sur le B et toi tu fais que passer en A. Par exemple, on est dans un esprit de practice, on est dans un esprit d'entraînement, on est dans un esprit de se remettre en question et de progresser. Donc il faut que tout le monde ait cette mentalité là. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous mettre ça à disposition. Donc TeamSpeak, groupe Steam, où vous allez pouvoir vous chercher vous, entre vous, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc j'espère que cette initiative vous plaît. Je mettrai des serveurs privés à disposition plus tard, mais dans tous les cas, bah, vous pouvez faire avec vos serves à vous, etc, etc, etc. Donc voilà, il y a déjà 3500 personnes, on a un certain nombre d'abonnés, la vidéo va faire... Voilà, ça va augmenter, je sais pas. En tout cas, bah voilà, vous pouvez piocher entre nous. Donc c'est déjà bien. Je mettrai peut-être des modos pour superviser ça. Moi-même, peut-être que je checkerai de temps en temps un petit peu des équipes, etc. Vous donner des petits coups de main, vous donner des petites astuces et tout ça. Donc voilà, je vous embrasse tous. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc on met des pouces bleus, on partage de ouf cette vidéo. Ça peut aider tout le monde, d'accord. La meilleure communauté de France, c'est où? La meilleure communauté de France, c'est où? C'est les Cafardinhos. Donc on montre le bon exemple à tout le monde. On est des vrais, nous. Big up à tous mes chula pichu. Faites péter les likes.